Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de mon caisson. Là, je l'ai reçu exactement hier après-midi à 14h. Et en plus, avec un bon retard, parce que normalement, c'était prévu pour mardi. Bon, bref. Désolé, elle ne sera pas sur Facebook, actuellement sur Facebook, cette vidéo, car j'ai un petit souci que j'étais, un peu... embêté avec mon Facebook, mais c'est pas grave. Voilà, je vous présente mon caisson. Il est ici. Alors, je peux vous garantir qu'il est très très lourd. Hein, donc, c'est mon caisson, il est arrivé. Alors, c'est le caisson 15A mono. Là, qui veut dire qu'il est amplifié mono. Et qui veut dire qu'il n'a qu'un seul amplificateur. Bon, bah, je croyais qu'il faisait tout simplement double ampli. Non, parce qu'il contrôle pas les satellites. Alors, pour contrôler les satellites, je suis obligé de prendre l'Interim ou celui-ci. Bien sûr, en XLR. Bon, voilà, c'est pas grave. Alors, je vais vous faire présenter derrière. Voilà, donc tout simplement, alors je vous présente, ici, ces deux-là, hein, c'est pour mettre des enceintes, vous pouvez mettre des enceintes amplifiées, hein. D'accord, vous pouvez mettre des enceintes amplifiées, ça, il n'y a aucun souci, et ou sinon, vous pouvez mettre un autre ampli, ici, de même, d'accord, donc... c'est pareil, c'est le même système tout simplement. Ou sinon, on peut aussi marcher au lieu d'avoir un jack, pardon, excusez-moi, c'est ça. Au lieu d'avoir un jack, vous tournez en XLR. XLR, donc c'est pareil. Voilà, c'est tout simplement. Alors ici, c'est le volume. Vous voyez, vous entendez quand même, hein. Voilà. Donc j'ai trouvé. Donc voilà. Alors tout simple. Alors ici, il y a un petit truc en plus que j'aime bien. Et ça, je viens de le remarquer. C'est que ici. Voilà. Là, c'est en 4 ohms, là, c'est en 8 ohms. D'accord ? Voilà, donc, n'ai pas donné la patate à votre table de mixage pour ça. Donc là, il faut que je passe en table de mixage direct. Donc, faut que je tape sur la table de mixage direct, tout simplement. Voilà, d'accord ? Donc, voici... Ah, il est lourd, hein ? Il faut le dire, il est lourd, il fait exactement 42 kilos. Voilà, il fait exactement 42 kilos, ce petit bonhomme. Je pensais qu'il était un peu moins lourdeau, mais il est un peu plus lourd. Regardez, il a 4 poignées, donc 2 poignées sur le côté et 2 poignées sur l'autre côté. Alors, donc pour l'instant, voilà. Donc voilà, donc j'utilise comme ça pour l'instant, ok. Donc vous voyez, hein, un bon petit son, moi j'aime bien, je vais pas me critiquer, voilà, je trouve que ça va. Donc voilà, bon alors, on continue. Une bonne nouvelle, j'ai un deuxième micro, voilà, je me suis acheté un micro avec ma commande, avec ma, ça, voilà, je vous présente. Cher, voilà, je vous confirme, hop, désolé. Je vous confirme la marque. Alors c'est un cidulaire. J'ai choisi un cidulaire. Hein. Voilà, tout simplement. Alors c'est un micro de champ. Je précise bien, c'est un micro de champ. Donc c'est un micro de champ. Et je peux vous garantir, franchement, j'ai testé tout à l'heure. J'ai testé. Et franchement, rien à dire. C'est vraiment, vraiment. Esquis, je peux parler comme je peux chanter, donc c'est vraiment
un très 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 bon micro, et je peux vous garantir que moi j'achète pas n'importe quoi en micro. Ça fait un sacré bail que j'ai celui-ci, le Apex. Hein, d'accord, ça fait longtemps, il s'est cassé la gueule une fois en soirée, et tout. Et bon, c'est pas pour ça qu'il est mort, hein. Voilà, je la preuve, hein, regardez. Et ben ça fait celui-là, c'est pas un micro de chant, mais c'est un micro pour faire blabla. C'est vraiment un micro de blabla, donc il a bien sûr, lui, il a ce système-là. Et que l'autre, il l'a pas, parce que j'ai bien spécifié que je veux un micro. Bah, j'ai spécifié, j'ai vu qu'il m'a fait plaisir. Voilà. Alors, j'ai pas fini avec le micro. Voilà, qu'est-ce que j'ai en plus. Voilà ce que j'ai en plus. Un micro-pied. Et bien sûr, le cordon avec. Hein. Pas genre de cordon là. D'accord. Pas genre de cordon là. Je vais vous faire présenter le cordon. Il est là. Alors, le cordon, il est là. Hein. Franchement. Attendez, je vais mieux tenir la caméra parce que quand même. Voilà. Voilà, je vous présente le cordon. C'est que du XLR. Que du XLR, c'est tout. Alors c'est vraiment XLR, donc c'est bien pour une console de jeux vidéo, comme j'ai dit en rigolant. Donc c'est pour une console. Donc comme je vais avoir une console de chez Yamaha, hein, je vais avoir une console, je vais écouter Newmark pour aller directement chez Yamaha. Donc vraiment changement total. Donc c'est pas encore fini. Hein, c'est pas encore fini. J'ai une bonne nouvelle pour vous dire. Donc voilà. Alors. Voici du câble, j'en ai commandé 10 câbles, je les ai pas sortis, pourquoi? Parce que, alors j'ai choisi 5 mètres de rallonge, 5 mètres, pourquoi? Alors tout simplement c'est pour les jeux de lumière, c'est uniquement pour les jeux de lumière. Ce qui veut dire, moi, c'est vrai que ça fait pas beau les vidéos, et c'est vrai que mes vidéos elles sont pas belles du tout, à cause de ça, parce que les fils se pendouillent partout. Donc maintenant j'ai décidé de prendre que ça. Et par cas de là, bah, c'est bon. Hein, et voici la petite facture de ce que j'ai commandé. J'en ai quand même pour presque 800 euros de matériel. Mais croyez-moi, je n'ai pas commandé n'importe quoi. Alors, oui. Player. Voilà. Player. NF. Hein, d'accord, vous voyez bien. Voilà, vous avez la preuve. Hein, NF. D'accord. Hein. Alors bien sûr 5 mètres ça suffit, hein, c'est pas besoin de 10 mètres, je voulais prendre aussi 10 mètres mais bon, c'est tombé, c'est bon, c'est correct. Et voilà, voilà ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu là, bien sûr 180,99 € par mois, bien sûr c'est normal, j'ai pris ma carte bleue pendant 4 mois, comme ça m'évite un truc. Bon bref, et bientôt j'aurai une petite vidéo très importante à informer à tous les disques jockeys qui se déclarent ou qui se déclarent pas et qui passent par des sites. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter quelque chose qui sera très 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 sévère et très sérieux parce que c'est un truc très très sérieux que je vais vous faire présenter et ça je signale à tout le monde parce que quand même faut pas exagérer, hein. Voilà, tout simplement. Vous allez voir ça bientôt, alors donc vous inquiétez pas. Allez, je vous remercie, j'espère que ça vous plaît, cette vidéo, elle vous plaira. Likez-la, partagez-la, et c'est tout simple. Ah oui, j'ai oublié, bien sûr, ils m'ont offert encore un bouquin, là, malgré que j'en ai déjà un. Alors, sur le catalogue, sur le papier, ils ont dit que c'était du Élégance. Ben, je vous présente du Élégance, il est un peu bizarre, Élégance, hein. Voilà. Bon, bref, moi je dis un petit coucou à Jérémy, à tous les DJ, surtout, et surtout, prenez soin de vous, croyez-moi. On dépense beaucoup pour acheter du bon matos, mais c'est comme ça, on est obligé. Bah voilà, t'es obligé. Bon, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou à tous, un gros coup de patte à tout le monde. Et surtout, je pense aussi aux femmes DJ, parce que c'est franchement, c'est très rare qu'on en parle d'elles. Mais j'en parlerai la prochaine fois d'une vidéo sur eux, parce que franchement, elles ont une sacrée patate, les filles. Allez, salut, bye!